Et lui, il arrive là-dedans. Miss Fry ? Donne-lui tes armes. Nous ne pouvons entrer avec. Vous êtes radieuse. Je ne pourrai jamais aimer. Oh, je n'en doute nullement, William. Monsieur, madame, vos cartons. Je crois que j'ai égaré le mien. Monsieur, madame, je vous en prie. Sans invitation. Mon bon, je suis le prochain premier ministre. Que diable notre voiture fait-elle ici? C'était quoi ce bruit? Rien. Juste les voix dans ta tête. Elles sont tellement plus plaisantes que la tienne, Evie. Charmant. Oui, je sais. Et salut à tous, c'est Darkmania. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed Syndicate. J'ai enfin le dernier. Officiellement, la dernière mémoire de la séquence 9. Voilà. Donc, pourquoi elle traîne comme ça avec les bras écartés là, et... Je vais chercher les fragments d'Eden. Comme tu voudras. Elle est... J'ai rendez-vous avec Fred. Merci. Les plans se trouvent dans le salon de dessin blanc. Qui est sans doute fermé à clé. Le capitaine doit l'avoir sur lui. Le capitaine. Alors. Non, c'est pour ça. Ok. Bon. Maintenant qu'on a pris la clé, il faut faire un truc. Mais ça va être chiant. Parce que, enfin, il faut prendre en otage un garde. Et le problème, c'est prendre en otage un garde. Quand il y a les autres gardes, c'est n'importe quoi. Tu vas me servir d'escorte. Pas un mot où tu seras mort avant de comprendre ce qui t'arrive. Donc voilà. J'espère juste que les gardes ne me diront rien. Il peut me pousser, il peut se pousser lui. Merci, Ilia. Dégage. Donc on va passer. Tranquillement, on va y aller. Ah, faut pas que j'oublie la carte. Il y a une carte à récupérer là. Oh là, je la récupérerai plus tard. Bon, ça sera possible de la récupérer après. Ah non, normalement. Merci mon brave. D'accord. Vous avez attiré l'attention. Bon. Madame. Normalement, il devrait pas m'attaquer, enfin. Normalement, il devrait pas m'attaquer. Je comprends pas pourquoi ils m'ont attaqué, enfin. Toujours le même bug, hein. J'avais vu déjà une vidéo là-dessus, je crois. Non, je déconne. Mais bon, c'est toujours les mêmes bugs. Hein. Je comprends pas. Normalement, ils sont censés... Les mouvements d'Emmy sont des... Quoi? J'ai pas compris. Hein. Vous savez quoi, moi je monte directement là-haut, je vais pas me casser les bonbons. Hein. Parle-toi, et puis c'est tout. Hein. Ouais, je sais pas. On va la refaire. Hein.
Tu veux me servir d'escorte. Pas un mot ou tu seras mort avant de comprendre ce qui t'arrive. Qui êtes-vous? Mais c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, il m'a même pas spawn. Maintenant, il me spawn. Ouais, le jeu est pété, là. Ok. Je comprends pas. Utilisez les torches pour accéder à l'étage. La dame est avec moi. Merci, mon brave. Madame. Mon brave. Mon brave. Oh, j'ai pas compris. Ça fait mal. J'ai pas compris. Pourquoi ils m'ont spoté tout à l'heure? Mon bras. Qu'est-ce que je fais? Doudou. Ah, il faut que je passe avec lui, sinon ça va être la merde. Ça fait mal. Ah mais non, mais n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Putain, ça va me gonfler. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Putain, je suis avec un garde. Ouais, vous savez quoi? Je vais passer par la fenêtre, c'est bon. Je vais pas me casser le cul. Ah, je recommence là, ok. Attends, on va attendre que le gars il arrive. Les plans ne sont sûrement pas loin. Il y a une lettre là. Je vais essayer de la récupérer. Maintenant la crypte. Maintenant la crypte, je fais comment pour passer? Ah. Ah merde, attendez. Tu n'as rien à faire ici.
Mais putain, mais c'est dingue. Le mec il te spawn quoi, la seconde quoi. Fouah, t'es le délire là. Ah, ça me gonfle. Je me retrouve où là du coup? C'est quoi? Je vais faire ça là. Ah mais j'ai pas d'armes, c'est vrai. Putain, c'est n'importe quoi. Ah, je sais, je peux courir. Non, je peux pas courir. Ah, là, là, là. Sinon j'aurais été directement à la porte là-bas. Et j'aurais été bloqué parce que oh là là. Comment je fais là? Ah, tout simplement comme ça. Putain. Je parie que Jacob doit être encore en train de voler une voiture ou de pousser la reine dans l'escalier. Ah, y a pas les gardes. Vous voilà. Oh. Il y a quelqu'un à qui je meurs d'envie de vous présenter. Venez avec moi. Oh. Votre Majesté, puis-je vous présenter Miss Evie Fry? Êtes-vous la responsable de la mésaventure de Mr. Gladstone? Dites-moi. Votre Majesté, toutes mes excuses. Le gâteau est absolument divin. Assurez-vous d'y goûter. Je dois vraiment y aller. Miss Fry, puis-je avoir cette danse? Monsieur Starik, vous vous êtes bien amusé, mais la partie est finie. Ah. Écoutez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le temps est une chose merveilleuse, Miss Fry. Il efface toutes les peines. Nous faisons des faux pas sur la musique. Mais, à la fin du morceau, tout recommence. Le problème, c'est que tout le monde oublie et réitère ses erreurs, encore et encore. Les gens apprennent. Vraiment. Tout le monde autour de nous ne répète-t-il pas les mêmes pas? Mais si un homme pouvait se remémorer la danse, connaître le temps, il pourrait tout changer pour le meilleur. J'ai assez dansé. Cette danse est presque finie. Bientôt, les gens oublieront tous ceux qui sont ici, sur cette terrasse. Comme ils vous oublieront, vous aussi. Quand la musique cessera, Miss Fry, vous périrez. Et moi, je triompherai.
C'est ça. Alors comment je vais faire pour monter du coup? Toujours des gardes là? Ah oui, putain. En fait, non, faut que je passe. Ah oui, oui, j'ai compris. Allez, c'est parti. Freddy, Starrick a infiltré ses hommes parmi les gardes et en a pris plusieurs en otage. Vos armes sont cachées ici. Tuer les imposteurs et libérer les autres. Comment? Il est impossible de les distinguer. Oh, homme de peu de foi. Oh putain. Ouais, dégage. Où sont les vrais gardes royaux? Hop. Ouais, je suis pas timé. Non. Libérer tous les groupes de gardes royaux. Waouh. Ouais, y a du monde là. Ne bougez pas. Ah mais attendez, il y a une lettre à récupérer là. Ah ouais, je vais la récupérer. Donc j'y suis. Là, vous appuyez sur un bouton, mais ça ne fonctionne pas.
Voilà, sans être mort. Dispersez-vous. Hop là. Allez, c'est parti, on va tuer les autres. Je les ai libérés, mais ils font rien, enfin, ils bougent pas leur cul. Bon, tant pis. Alors, on va faire ça comme ça. On va récupérer la petite lettre qui va bien. Voilà. Lui, on va se laisser, on va le laisser mourir, lui. Disparaissez, mes amis. Ah merde, mais si, j'allais les libérer. Oh, c'est n'importe quoi. Plus prendre le temps quand même de libérer, de tuer les gens, non, d'abord, avant de les libérer. Bon, bref. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous jure. Le secret de la valse, c'est de savoir diriger du bon pied. Oh, Seigneur! Tout va comme vous voulez, ma chère. Puis-je vous venir en aide? À mon tour de vous faire danser. Voilà, c'est là où est la crypte. Vas-y! Quoi, c'est tout? Tu n'as pas de plan? Il est trop tard pour ça. Je te rejoins dès que j'ai pu sortir de ce carcan infernal. Allons-y! Allons à la planche. Alors, attendez. Bon, pourquoi bon? Allez, c'est parti pour le combat final, je pense. Je sais ça, je dis ça, j'en sais rien.
Comment je voulais faire? Ah mais je peux pas le tuer d'ici. Ah faut forcément que je descende. Qu'est-ce que tu fais? Je t'exploite. Je t'ai averti, mon garçon. Mais toi, tu n'écoutes jamais. C'est la merde. Alors, je sais pas comment on fait, c'est quoi le combat? Requiescat in pace. Cette ville était un havre de paix. Le cerf ne vous appartiendra jamais. Mais te niquer. Tu n'es pas assez fort. Cinématique. Alors, c'est là où il y a putain de laser à la con là qu'il faut esquiver, c'est ça. Allez, autour des lits, d'accord. C'est un manège. Oula. On va monter. Ah d'accord. Ah ça vous tue pas, d'accord, ok. Jacob, ça va, heureusement que ça me tue pas. Après, c'est peut-être le niveau qui fait ça, qui fait que ça me tue pas. Je pense que c'est le niveau hein, qui fait que ça me tue pas. Oula, oula, non. Ah si, c'est bon. What the fuck? Je suis censé faire là. Ah c'est quoi ce délire? Je suis censé faire comment là? Comment je suis censé faire? Ouh, je suis censé quoi faire là? Attendez, c'est un délire là, je suis censé faire quoi là? C'est mort, hein. Là c'est mort. Hein.
c'est mort. Je fais comment? Je vais crever? Non, je crève pas là. C'est n'importe quoi. Mais qui a inventé ça? Quel con, le connard qui a inventé ça? Vous allez quitter ma ville. Allez, c'est parti. Te voilà dos au mur, Starik. J'ai piégé. Je vais te niquer, moi. Starik. Ton rêve va prendre fin. Il débute à peine. Henry. Oh non, mais me dis pas qu'il y a encore les trucs, là. Non, c'est bon, il n'y a pas les trucs. Tu es prêt? Je suis prêt. Londres périra sans moi. Tu te prends trop au sérieux. J'en aurais fait un paradis sur terre. Cette ville appartient à ses habitants. Vous n'êtes que l'un d'eux. Mais je suis à la tête de l'ordre. Tu l'étais, Starik. Tu l'étais. Dommage que notre association s'arrête là. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Tu comptes porter le suaire et diriger Londres? Quoi qu'il apporte, il le prend à d'autres. Tu continuerais à vieillir sans moi. Tu ressemblerais à père. Je préfère encore mourir. Tu vas le porter? Après tout ce que tu as réparé, tout le chaos que j'ai provoqué, je n'en serais pas digne. Jacob Fry a des doutes. Qui te fait chanter? C'est George? Il n'oserait pas. Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu crois qu'on pourrait repartir à zéro? Je n'attends que ça. Je commence à penser que père n'avait pas réponse à tout. Henry. Le monde est vaste. Et Londres en est le centre. Mais pas le centre du monde. Je suis venu au plus vite. Ne vous en faites pas, je vais regagner le train. Est-ce que... ai-je mis en danger la mission? Henry, vous l'avez sauvé. Je crois que votre place est sur le terrain, avec moi. Une voiture. Bien joué, Freddy. Mr. Aberline, je vous en prie. Votre Majesté. Miss Fry. Vous vous connaissez? Je ne te l'ai pas dit?
Mr. Aberline m'a tout juste appris que vous trois m'aviez sauvé la vie. Est-ce bien vrai? C'est vrai, Votre Majesté. Evie Fry, approchez. Et vous? Mon frère, Majesté. Jacob Fry. Et voici Monsieur Henry Green. Mr. Fry. Mr. Green. À genoux. Levez-vous. Je vous élève tous trois dans l'ordre de la jarretière. Merci, Votre Majesté. Si vous êtes aussi doué que le dit Mr. Aberline, je risque de faire appel à vous. Le sergent Aberline exagère toujours, Votre Majesté. Nous nous reverrons. Oh, Miss Fry. Majesté. Si vous changez d'avis, je crois qu'on vous a gardé du gâteau. Père serait fier de toi. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Le premier arrivé au train. On le tient. Il est sous le palais. Allons-y. Apportez le sueur au docteur Grammatica, sur le champ. L'équipe Sigma est déjà là. On arrive trop tard. Qu'est-ce qu'on fait? Les tuer. Serait de loin le moyen le moins productif d'arriver à nos fins. Tue-les tous. Contact! Couvrez-moi! Cette sale petite ordure a essayé de me tuer, Berg. Faites-lui la peau! Us, them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse, them done the horrid murder on bloody stages, them that loudly corroded their humility, lords and dames that sucked in the chapels on a summer. All quiet now, their mouths are stopped up. Arrête de bouger! They lie flung in rats and make no sound. Underground, underground, leave them. La mission avant tout! Bien reçu! Those who fought for something better, those who fought by how they live, loved ones taken long before their work was done. Galina, il nous faut une sortie! Sécurisez la crypte, toute cible valide! On doit y aller! Maintenant! Compris. Le
oublie ce maudit suaire. Reste avec moi, Bex. Je t'en prie. On y va. Tu as fait du bon travail, initié. Nous reprendrons le suaire le moment venu. Au fait, le mouchard qu'on a posé dans l'ordinateur d'Isabelle a capté quelque chose avant qu'il le détruise. Je te le passe. Je suis navré pour ce souk. En quoi le suaire peut vous aider à créer un autre clone ? En rien. Quand on enveloppe le suaire autour d'un corps, il évalue les dégâts et le répare à l'échelon cellulaire. Vous ne comptez pas fabriquer un clone, mais recréer un précurseur à partir de rien. Exactement. Le projet Phoenix vient de faire un grand bond en avant. J'appelle Alan Rickin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Noël arrive avant l'heure. Eh oh ! C'est moi. J'ai le suaire comme vous me l'avez demandé. Mais j'ai peur. N'aie pas peur. Tu as fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur pour vous. S'il découvre ce que vous faites. Tu as joué ton rôle, mon instrument. Je te sauverai. Je vous sauverai tous. Et voilà, 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 c'est terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu, Lulu. Je vais arrêter de chanter, c'est de la merde. J'espère que cet épisode vous aura plu. Un combat bizarre, quand même. Un combat bizarre. Bon, bah voilà. De toute façon, j'ai terminé. Hein. Il reste que des petits... Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cela annonce donc la fin de notre aventure sur Assassin's Creed Syndicate. Très bon jeu malgré beaucoup de bugs. Voili voilou. Je sais pas si je vous ferai. Je sais pas si je vous ferai Jacques l'Éventreur. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et puis il y a des quêtes annexes. Je sais pas si je vais vous les faire aussi. Bref. Je vais voir, je vais réfléchir. Au pire, de toute façon, on a fini. Hein. On a fini, on a fini. Puis voilà. Quoi, je vous ai pas montré la mission DLC. Il y avait deux missions DLC supplémentaires. Au train, il y a deux missions supplémentaires. En tout cas une, ça je sais qu'il y en a qu'une, mais deux je sais plus. Mais voilà, donc je sais pas si je vous montrerai les DLC, en tout cas je pense que vous les avez vus. Il y a Jacques l'Éventreur, puis il y a le DLC du train. Oh là, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il y a le DLC du train qui se trouve dans le train, tout simplement. Et je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Bref, je vais voir ou pas. Au pire des cas, c'est terminé. L'aventure se termine maintenant. J'espère que, en tout cas... Toi, arrête d'emmerder les gens, merci. En tout cas, j'espère que cette aventure vous aura plu. Moi, c'était
une bonne aventure. J'aime bien les assassins, donc j'ai hâte d'en voir un peu plus. Et d'en savoir un peu plus sur cette... femme bizarre, hein. Qu'on ne sait toujours pas ce qu'elle veut à part détruire le monde, il me semble. C'est pour ça qu'elle a tué Deadmond. Je crois que c'est elle qui a tué Deadmond. Je me rappelle plus trop. Bref. Merci de m'avoir suivi en tout cas pour cette aventure. Et je vous donne rendez-vous donc pour une nouvelle aventure. Dans une nouvelle vidéo. Dans un prochain futur proche. Voilou, voili, voilou et voili, voilibou et walidou. Ouais, ça veut rien dire. Bref, peu importe, je rends l'antenne, merci beaucoup. Et à la prochaine. Salut à tous. Et pour finir en beauté, on va se taper deux templiers. Trois templiers. Voilà, hop. Allez. Salut.